Salut tout le monde, c'est Squall et aujourd'hui on se retrouve sur Team Fortress 2. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de... Black Mage. Donc aujourd'hui, donc on présente l'ouverture de notre chaîne commune, on va dire. Où il va se passer pas mal de choses. Ouais. Alors, j'utilise l'MP7, viseur laser, bon, chargeur grand cap et portée améliorée, enfin, Canon ouais. long. Non, non, voilà. Et au début, j'ai dit je me suis pas intéressé aux consoles, et maintenant j'ai pris la PS3. Un peu au comble, hein. J'ai pris de Ouais. carte 98K, je fais un massacre. Salut tout le monde, c'est Squall. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la bêta de FIFA World de Nosgoff. Sur The Crew. La bêta de Titanfall. Oh, la belle action, mec! Oh mon Oh, vie. mec! Oh, Allez, ça y est. mec! Mec! Ce que je viens de mettre en live! Je l'ai pas mis, j'ai pas vu. Oh, ce que je viens de mettre en live, Je l'ai pas mec! vu, je l'ai vu en vidéo. Et on veut vraiment que les petits malins qui continuent, qui nous boostent à mort, arrêtent vraiment de le faire. Parce que ça peut vraiment jouer sur notre chaîne. Parce que YouTube pourrait croire que on utilise des bots ou qu'on booste nous-mêmes nos vues. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé pour la nouvelle rotation de chaîne de faire une chaîne 100% Let's Play. Salut tout le monde, c'est Squall. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin avec ce fameux Let's Play sur Final Fantasy VIII, qui est évidemment pour certains, ceux qui le savent, mon jeu préféré. Mon premier jeu vidéo aussi. Deoxys, bah normal, normal, Deoxys, bah oui. On a déjà bien Deoxys, il me semble, dans l'aventure pour l'instant. Qu'est-ce qui me fait baisser autant? Non, dis pas que c'est la squelette. Et je suis mort comme une merde. Et j'ai débloqué un nouveau perso. Et merci à vous, donc salut tout le monde, c'est Squall. Et Black Mage. Donc il y a un tronc un peu bizarre parce que c'est vrai que Black Mage n'est même pas au courant de ce que j'ai préparé. Enfin, vous du coup vous l'avez déjà vu, mais lui ne sait même pas ce que j'ai préparé. Il cache derrière mon dos, ça. Sachant que j'ai mis plusieurs heures pour trouver tout ce qu'il fallait, tout bien placé, tout le bordel. Bon, je suis assez fier du résultat, c'est pas ultra pro, mais ouais, ça donne bien, je trouve. Donc ouais, un an déjà. Donc évidemment, on fait cette vidéo avant, mais quand cette vidéo sortira, ça fera un an. Le 6 octobre 2013, on a commencé. C'est quand même pas mal, sachant que très sincèrement, en un an, je pensais même pas qu'on dépasserait déjà les 100 vues. Enfin les 100 abonnés plutôt, parce que les 100 vues ça aurait été pas mal. Ouais, les 100 abonnés déjà. Et les presque 150 vidéos, puisque j'ai regardé. Waouh, ça pique. On est à 145 vidéos, on est presque à 4000 vues, c'est quand même pas mal. Et ouais, voilà. C'est quand même un truc de taré. Évidemment, ce n'est que le commencement, puisqu'on vous prépare, hein. On vous prépare quelque chose de, on vous prépare des trucs, hein, pour la suite. T'allais sortir un truc? Non. Ouais, d'accord. Non. Parce que bon, je tiens à prévenir, il prépare une blague. Je suis même pas au courant, moi non plus, de ce qu'il prépare. Ça dépend, ça dépendra de toi. Ouais, ça dépend de ce que je vais sortir apparemment. Je voulais vous parler rapidement du Let's Play de Mortal Kombat parce que du coup, j'ai encore deux épisodes. Celui-là, donc la tour des filles 575 qui passera. C'est la 75-100 qui ne passera pas.
pour, par manque de temps. De toute façon, je vous ai dit dans le let's play que je terminerai pas la tour des défis, puisque donc moi actuellement, vous dans 3 jours, il y a ce FF13 là qui sort. Donc pour moi, il me reste une semaine à peu près. J'espère quand même que ça va passer ultra crème au niveau du jeu, qu'il n'y aurait pas de blocage d'FPS et tout le bordel comme Square Enix sait le faire avec tous ses portages. Voilà, moi en tout cas, je vous prépare la trilogie FF13, Black Mage. Bah, je suis en stand-by, je sais même pas ce que je vais encore faire. J'avais prévu, le pire, j'avais prévu des trucs et c'est voilà, c'est pas trop top. Mais je crois qu'il y a un truc. Un petit truc à faire, donc je vais le faire, je pense. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura quelques épisodes de Payday 2 qui vont venir. Ça se trouve, il y aura un épisode de Payday 2 qui va venir. Peut-être avant ou après cet épisode. Par contre, il faut savoir que FF13, je sortirai une vidéo le jour même de sa sortie. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sachant que bah, si c'est comme d'habitude, il va sortir vers 19h. Le temps que je fasse la vidéo, le temps que je fasse les rendus. Ça m'étonne qu'il sortira dans la journée, donc peut-être dans la nuit du 9 au 10. Mais en tout cas, voilà, moi, j'espère vous le proposer. Donc Black Mage, peut-être du Payday 2. Parce qu'il faut savoir aussi que Payday 2 nous a sorti très certainement le meilleur DLC actuellement. Tu l'avais mis sur Twitter aussi. Enfin, oui, je l'ai mis sur Twitter. Bah, de toute façon, c'est juste un DLC de ouf. Donc le DLC Payday 2 Hotline Miami. Bon, vous savez tous, moi, toute l'affection que je porte à Hotline Miami, qui est juste pour moi mes jeux préférés. Puisque je vous en ai fait un pseudo speedrun, hein, comme on peut dire. Évidemment, il y a bien plus rapide que ça. Sachant que le record du monde de Hotline Miami en speedrun vient d'être battu. On risque de passer bientôt sur les 20 minutes, ce qui est quand même juste incroyable. Et ce DLC là, donc ouais, c'est Black Mage qui vous le proposera, donc sur sa vue. Sachant qu'il connaît mieux le jeu que moi, donc vaut mieux que ça soit sur sa vue. Puis bon, comme il a un meilleur PC, évidemment, le jeu sera plus beau, parce que moi je mets le genre très faible, donc. Petite parenthèse, que j'ai pris un nouveau disque dur juste pour les vidéos, donc là j'ai fait un test extra, parce que tout à fond, donc là c'est nickel, j'ai plus le droit de. Parce que PDA 2, j'ai dû baisser la qualité graphique en normal pour faire tourner en 60 FPS, props. Avec ce nouveau disque dur. Et là maintenant j'ai un nouveau disque dur de terrain 100% vidéo, je mettrai toutes les vidéos dessus. Donc j'aurai plus aucun problème. C'est ça. Normalement. Désolé aussi, chiche tous, hein, mais je suis malade à crever depuis quelques jours là. J'ai envie de dire tous pour un, rhume pour tous. Salut, je sors. Ouais. Alors. Vous êtes tous témoins que moi déjà je n'ai pas du tout capté ce qu'il a voulu dire. S'il y en a un d'entre vous qui a trouvé, je sais pas, mettez un commentaire, mettez un dislike, là vous pouvez y aller pouf rouge sur la blague là, parce que franchement, non, c'est interdit ça. Attendez, il nous l'a marqué. Tous pour un rue. Oh la vache, ah d'accord. Oh là 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 là. Ah c'est. Wow. C'est du haut niveau là, on est parti high level niveau 100. Aussi, ce qu'on peut dire, bah maintenant on peut vous l'annoncer, c'est qu'on vous prépare quelque chose pour décembre. Bah, j'avais déjà dit sur Twitter, pas une petite surprise. Oui, mais Twitter, mais maintenant on peut l'annoncer. Donc en décembre, donc si vous vous souvenez l'année dernière, on vous a fait un top 5 de nos jeux préférés de 2013 et nos attentes de 2014. Cette année on fera pareil, mais dans une version différente qui sera bien bien meilleure, je pense. Ça va prendre. Le top, donc on fera encore un top 5 des jeux qu'on a adoré cette année. Donc je répète encore une fois que c'est les jeux qu'on a joué cette année, pas qui sont sortis cette année. Et le top des attentes, en fait, ce sera pas vraiment un top. Ça par contre je vous en parle pas, parce que c'est quelque chose que je vais préparer, qui va mettre beaucoup de temps. Mais voilà, donc ouais, le top, j'ai calculé, même si je suis pas très fort en maths, ça prendra à peu près ouais, jusqu'à 20 décembre, donc plus de la moitié du mois de décembre. En gros, ce qu'on fera, c'est que, par exemple, donc on commencera du coup par le 1er décembre. Donc, on ne sait pas qui commencera ce top 5, mais en gros, ce qu'on fera, c'est que chacun d'abord présentera son top 5. Donc, top 5 et le deuxième top 5. Top 4, merci de cacher mon calendrier rock. Donc après, on fera top 4, top 3 et ainsi de suite tous les deux jours. Donc, je pense que vous avez compris, jusqu'à arriver au top 1. Moi, mon top 5, je l'ai déjà, hein, de toute façon. Moi pas. J'ai déjà mon top. J'ai une vague idée, hein, comme l'eau, la vague. Ouais. Je pense avoir mon top 3. J'attends. Ouais, c'est vrai que j'aurais voulu attendre Hotline Miami 2, mais apparemment le jeu est reporté pour 2015, c'est certain. Les développeurs l'ont annoncé. Donc, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais bon, moi je dis qu'ils prennent leur temps. Mais voilà ce qui va se passer pour le top 5. Puis je
pense qu'on en a fini. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. C'était un truc à rajouter. Ah non. Et j'ai ma une blague de merde, bah c'est, j'en ai zéro pour l'instant, donc je peux rien dire. Voilà. Oui, vous remarquerez d'ailleurs pourquoi hein, j'ai mis ça dans la vidéo avant. Je peux même pas vous le dire là, puisque je veux vraiment que Black Mage le voit. C'est la punition parce que j'ai fait des blagues de merde, voilà. Ou quoi ? Vous comprendrez pourquoi j'ai mis celle-là à la fin. Et que j'ai mis... Plus quoi dire là. Que j'ai mis celle-là juste avant. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, que j'ai mis celle-là juste avant. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai pu le dire, on s'en fout finalement. Puisque bah, on vous remercie tout simplement de continuer à nous suivre depuis le début. On a gagné beaucoup d'abonnés, surtout depuis qu'on a changé la chaîne. Ça, on tient encore à le rappeler. C'est vraiment depuis le changement de la chaîne en Let's Play qu'on a, on a gagné beaucoup d'abonnés, des vues. Enfin voilà. C'est quelque chose de pas mal. On espère encore évidemment continuer à grandir. Pendant les années, les décennies peut-être, je sais pas si encore. Ouf. Bah, espérons-le, hein, après tout. Hein. Et puis voilà, bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc encore merci de nous suivre. Et partagez cette vidéo, je vous le dis jamais ça, mais partagez cette vidéo-là parce que on aimerait vraiment qu'elle tourne, que des gens peut-être qui connaissent pas notre chaîne bah, apprennent à la connaître, la découvrent et pourquoi pas s'intéressent à notre chaîne, aiment ce qu'on fait tout simplement. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner. On vous dit à plus tard tout le monde. À plus. Salut.